Bonsoir tout le monde, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Je sais que Pasteur Denis l'a mentionné encore une fois, merci d'avoir choisi de venir célébrer, commémorer la mort de Jésus avec nous au portail et encore une fois de me donner le privilège de vous partager la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, tout le monde est fan de quelque chose. Est-ce qu'il y a des fans du Canadien de Montréal ici? Est-ce qu'il y a des fans du Canadien de Montréal ici? Oui! Vous savez, Dieu nous a créés pour être des adorateurs et dans notre nature, on est fan de quelque chose. On recherche toujours quelque chose à s'identifier, quelque chose qui nous définit, dans lequel on met notre passion. Donc, on s'identifie aux Canadiens. Pourquoi? Parce que ça nous définit, on est de la région de Montréal et on met de la passion. Et l'apôtre Paul est conscient qu'il va dire qu'il y a des gens qui se glorifient, qui se vendent de toutes sortes de choses, qui sont fans de toutes sortes de choses, mais moi, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est non pas on peut être fan de toutes sortes de choses, mais mon ultime fanitude, ce qui me définit, ce qui m'identifie, fanitude, c'est un vrai mot en passant, comme crochitude et plein d'autres mots. Vérifiez dans le dictionnaire du petit Brassard, vous allez vous rendre compte que c'est là. Et Jésus dit ce qui me définit. Ce que Paul en fait, ce qu'il dit, ce qui me définit, ce que, à quoi je veux m'identifier, c'est Jésus-Christ. Donc, j'aimerais poser la question, il y avait plusieurs fans du Canadien, est-ce qu'il y a des fans de Jésus dans la place ce soir? C'est pour ça qu'on n'est pas triste de manquer la game, parce que même si on est fan du Canadien, on est plus fan de Jésus encore. Amen. Donc, vendredi saint, on commémore la crucifixion de notre Seigneur. Et je vous invite, si vous avez une Bible, à aller avec moi dans la plus grande prophétie. 700 ans d'avance, Dieu a annoncé la crucifixion de Jésus-Christ. On est dans cette prophétie que tout le monde connaît. Ésaïe 53, 7 fois, à 7 reprises dans le Nouveau Testament. On va faire allusion à ce grand passage. Et Ésaïe 53, vous allez voir, j'étais à l'école longtemps. Avant Ésaïe 53, nous avons Ésaïe 52. Et pour la mise en contexte, Ésaïe 52, verset 7, nous dit la chose suivante. Avant justement de parler de cette crucifixion, « Qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, « Ton Dieu est roi ». Dis à quelqu'un à ta gauche, ton Dieu est roi. Dis à la personne à ta droite, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi le lien entre une bonne nouvelle et ensuite on voit quelqu'un qui se fait crucifier, qui va souffrir? Voici la bonne nouvelle. La job de Dieu, que tu sois chrétien depuis des années ou que tu es type la première fois, que tu ne crois pas en Dieu, que tu es tâté, peu importe ton background religieux, la majorité des gens peuvent concevoir que la job de Dieu, c'est de bénir les bonnes personnes et de punir les mauvaises personnes. Il y a comme une sagesse populaire. Ça, c'est la job de Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu déclare juste des pécheurs et traite des mauvaises personnes comme des bonnes personnes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va parler de la croix de Jésus comme étant un scandale. Et peut-être que tu es ici ce soir et tu te dis, moi, je trouve ça scandaleux parce que j'ai pas le goût d'avoir un Dieu qui traite les mauvaises personnes comme des bonnes personnes, parce que moi, je suis une bonne personne. Peut-être pas. C'est l'histoire d'une dame qui va à l'aéroport, qui s'achète un sac de biscuits. Et elle se dit, je vais le garder pour dans l'avion. Puis elle va s'asseoir, elle attend, puis elle met le sac de biscuits. Puis à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'assoit à côté d'elle. Et le sac est entre eux deux. Et à un moment donné, il rouvre le sac. Elle est là, ben voyons donc, c'est mes biscuits, elle dit rien. Et là, tout à coup, il la regarde, et elle le regarde parce que c'est pas vrai qu'il va piger dans mon sac de biscuits, elle prend un biscuit. Le jeune la regarde et pige dans le sac de biscuits. Et là, elle se dit, non mais, quel mal élevé, donc prend un autre biscuit, et à chaque fois qu'elle prend un biscuit, il prend un biscuit.
Là, je dis, non, ça n'a pas d'allure. T'sais, si tu ne fais pas ça, piger dans le sac de biscuits d'un inconnu, et à la fin, il reste un seul biscuit, donc le jeune homme prend le biscuit, il la regarde avec un beau sourire, le brise en deux, lui donne une moitié, mange l'autre moitié. Et la dame, elle est insultée, elle est dans une colère noire. Donc, elle s'en va, elle prend son avion, elle est frustrée, elle se dit, voyons, quel mal élevé, quel, ça n'a pas d'allure, pas de manière, dans quel monde on vit. Et alors qu'elle s'assoit, à un moment donné, elle décide de prendre son livre, et en prenant son livre, elle se rend compte que son sac de biscuits est dans son sac. Le voleur de biscuits, ce n'est pas le jeune homme. Le pécheur n'est pas ton voisin. Tu es le voleur de biscuits. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Et pourquoi nous avons besoin de recevoir cette bonne nouvelle de Jésus? Et voici maintenant notre texte. Voici notre texte. C'est un scandale. Et comment Dieu peut justifier des injustes? Comment Dieu peut déclarer juste des coupables, des pécheurs comme toi et moi? Isaïe 52, verset 13 à 15. On va y aller section par section. Souvent, on pense qu'Isaïe 53 commence au verset 1, quelques versets précédemment. Et dans le contexte, on voit que Dieu parle du Messie à venir de son Fils comme étant l'ultime serviteur. Jésus est l'ultime sacrifice. Donc, il dit, « Mon serviteur réussira. » Dis à quelqu'un à côté de toi, « Jésus réussit toujours. » OK, on va régler quelque chose là. Tu ne peux pas dire comme, « Jésus réussit toujours. » Come on! OK, tu as besoin de mettre un peu de foi ce soir. C'est Vendredi Saint. Reprends-toi, redis, dis « Jésus réussit toujours! » Jésus réussit toujours! Ah! Mon serviteur réussira. Et là, Dieu, c'est une promesse qu'il fait 700 ans d'avance, donc c'est en poésie, mais c'est très concret. Il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. De même qu'une multitude est atterré à cause de toi, tant son aspect était défiguré, n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations devant lui. Des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. La première chose que je veux dire ce soir, c'est que Jésus a réussi à la croix. Jésus a réussi à la croix et Dieu dit que Jésus va réussir parce que de prime abord, ce n'est pas évident. Jésus semble un échec. Quand on compare, par exemple, les historiens vont comparer Jésus avec Alexandre le Grand. Donc, Alexandre le Grand qui est mort à 33 ans, Jésus est mort à 33 ans. En une décennie, Alexandre le Grand, qu'on appelle justement le Grand, a conquis le monde connu. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui n'avait plus rien à conquérir. C'est comme le plus grand victorieux de l'histoire de l'humanité. De l'autre côté, à 33 ans, tu as Jésus qui meurt sur la croix. Et Jésus peut être considéré comme le plus grand flop de l'histoire de l'humanité. Certains vont voir la croix de Jésus comme un mess, mais Dieu est en train de dire qu'à la croix, Jésus a transformé un mess en message. Et voici le message. Et si vous trouvez ça très bon, le jeu de mots, ce n'est pas de moi. La prophétie commence par la conclusion. Dieu dit, avant toute chose, je vais vous dire comment ça finit. Et trois fois, il dit, Jésus va être élevé. Jésus ne va pas terminer à baisser. Jésus va être élevé. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jésus, est non seulement il est mort à la croix, il est ressuscité. Dieu l'a élevé à sa droite. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Son nom est au-dessus de tout nom. Il domine sur toute chose. Il a tout mis sur ses pieds. Il est la tête de toute chose. Peu importe ce que tu vis présentement, Jésus sera élevé à la fin de l'histoire. La prophétie commence par la conclusion. Mais Dieu est quand même très, très concret en disant que ça va débuter par un échec. La croix n'est pas quelque chose de glorieux. Quand tu penses à la croix, à quoi tu penses? C'est quoi pour toi le qualificatif de la croix de Jésus? Certains vont dire c'est la croix, elle est repoussante. D'autres vont dire la croix, elle est répugnante. Oui, mais ce n'est pas encore assez fort. D'autres vont dire la croix, elle est dégoûtante. Moi, je veux dire que la croix, c'est quelque chose de dégueulasse. Et j'aimerais parler de la dégueulacité de la croix, qui est un autre mot qui existe. Vous savez, Dieu dit, voici ce que mon Fils va accomplir à la croix, ça ne sera pas beau.
Ça va être dégueulasse, ça va être repoussant, ça va être dégoûtant, les gens vont se détourner. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent Jésus parce que Jésus n'est pas assez cool. Jésus n'a pas assez réussi. Qui veut d'un Dieu qui meurt à la croix? Et Dieu dit, préparez-vous parce que ça commence par un échec, mais cet échec est nécessaire. Pour nos amis qui nous visitent, qui sont moins familiers avec la croix, peut-être que tu as vu des films où on est aseptisé. Dans ta tête, la croix, c'est quelque chose de poétique, où Jésus va mourir comme ça, doucement, en s'endormant sur la croix. Il est flagellé pendant une nuit. Il porte ensuite sa poutre. On l'amène. On va le clouer. On cloue ses mains. On cloue ses pieds. Et le principe de la croix, tu ne meurs pas parce que tes mains sont perforées, tu meurs d'asphyxie parce que tu tentes de respirer, tu tentes de te soulever, et quand tu veux te soulever, ça met une pression dans tes mains, dans tes pieds, tes muscles déchirent, tes os sont brisés, et tu cherches ton air. Et la réalité, c'est que la croix est un lieu de nudité. On voit souvent Jésus avec la petite serviette, mais en fait, Jésus était nu. C'est la honte. C'est un lieu où il y a des spasmes. On sait historiquement que les crucifiés avaient de la fièvre, la faim, la soif les tenaillait. Ils vivaient de déshydratation, plein d'infections, la nausée. On sait qu'à la croix, ce n'est pas beau. Au pied de la croix, je ne veux pas vous choquer, mais je veux que tu comprennes combien la croix, c'est quelque chose de dégueulasse. Il y a des excréments, il y a de l'urine, il y a du vomi. Ce n'est pas beau, c'est intense comme souffrance. Et c'est ça que Jésus a choisi de vivre pour toi et moi. Et alors qu'on regarde à Jésus, et Dieu dit, voici, il réussira, ça va commencer par un échec, et notre monde regarde à la croix, et pour eux, la croix de Jésus pue, et Dieu dit, la croix ne pue pas, la croix, elle purifie. Amen. Et par cette croix, nous sommes purifiés. Vous savez, au Québec, on a des remèdes de grand-mère. Moi, je me souviens, lorsque j'avais la grippe, quand j'étais jeune, mes parents me donnaient, il avait lu ça quelque part, il avait pris un virage granola. Et c'est une tasse d'eau chaude avec du sel d'ail. Mais du sel d'ail. Il y avait une boue de sel d'ail. OK? Je buvais ça et mon haleine sentait l'ail pendant un mois. Non seulement je n'avais pas la grippe, ma classe à l'école, je guérissais la classe. Et on nous disait plus que c'est méchant, plus que c'est efficace. La croix de Jésus, elle est méchante, mais combien croient avec moi qu'elle est efficace? Elle purifie de tout péché. Jésus a réussi à la croix. Mais je vais vous choquer au prochain point. 53, 1 à 3, on continue. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Le bras du Seigneur, dans Ésaïe, c'est la manifestation de la puissance de Dieu concrètement sur la terre. Donc, le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé, on parle de Jésus, devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se détourne, il était méprisé. Nous ne l'avons pas estimé. Nous ne l'avons pas estimé. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai méprisé Jésus. J'ai abandonné Jésus. Pourquoi? Parce que ça n'a pas changé. Il y a 2000 ans, pourquoi est-ce qu'on l'a crucifié? Parce que Jésus est un Messie trop ordinaire. Je sais que dans l'Église, on aime dire Jésus est extraordinaire, et je crois que de tout mon cœur, Jésus est extraordinaire. Mais avant que tu te connaisses, avant que Dieu te donne la révélation, pour passer de la répulsion à la révélation, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et sans ça, Jésus, c'est un échec, c'est quelque chose de dégueulasse, c'est juste quelqu'un d'ordinaire. Et le texte nous dit qu'il a eu une naissance ordinaire, comme un rejeton. D'ailleurs, on disait, lorsque Jésus était sur cette terre, n'est-ce pas le fils du charpentier? Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une crèche. Il a une apparence ordinaire. Je me souviens, lorsque j'étais jeune croyant, j'avais une amie, puis elle dit, moi, là, je suis sûr là, que Jésus, là, c'était un méchant pétard. On ne parle pas d'explosif ici, là. Et selon ce texte, Jésus n'était pas un pétard. Jésus n'était pas un canon de beauté. Jésus n'était pas un tipouchon. Jésus n'était pas sexy. Jésus n'était pas cool. Jésus n'était pas shapé. Jésus n'était pas musclé. Jésus était ordinaire. C'est déjà marié, madame, regardez votre mari et dites, tu es comme Jésus.
Jésus était ordinaire à la croix. Son apparence, son aspect, souvent on le voit comme très charismatique. Et à la croix, c'était un homme ordinaire, avec une naissance ordinaire, une apparence ordinaire. En passant, pour nos amis, si vous faites, c'est intéressant parce que dans l'islam, on dit que si vous faites vos recherches, Mahomet, on dit la beauté de Mahomet. On va parler de Mahomet, puis il y a tous des écrits sur combien il était le plus beau des hommes, combien il était musclé, ses dents étaient blanches, sa chevelure, sa barbe était équilibrée. Jésus n'est pas venu pour gagner un concours de beauté. Le salut n'est pas un concours de beauté. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'efficacité. Et il était là, c'est un homme ordinaire qui a une mort ordinaire, la douleur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ordinaire que de souffrir? Pourquoi Jésus semble ordinaire à la croix? Parce que souvent, on se fait un Jésus comme... Et Jésus est le Fils de Dieu, comprenez-moi bien. Mais dans son incarnation, il s'est incarné comme un homme ordinaire. Pourquoi Jésus est un homme ordinaire? Je vais te dire pourquoi. Jésus n'est pas venu sauver des personnes spéciales. Il est venu sauver du monde ordinaire. Et je l'ai déjà dit, il y a des gens que ça choque, mais on est dans une génération où, depuis qu'on est tout petit, on nous dit combien qu'on est spécial. Tu es un flocon, tu es unique. Puis, dis à quelqu'un à côté de toi, je sais que je le fais beaucoup, mais c'est Vendredi Saint, on va travailler ensemble, dis à quelqu'un à côté de toi, tu es ordinaire. Je sens que ça vous fait plaisir, celle-là. OK, la personne qui vient de dire que tu es ordinaire, regarde-la et tu dis « Oui, mais toi, tu es encore plus ordinaire encore. » Tu es ordinaire. Pourquoi? Vous savez, dans notre génération, et l'homme a beaucoup de valeur. Je parle de l'humanité, a beaucoup de valeur, tellement que Dieu a donné son Fils mourir, comprenez-moi bien, mourir pour nous, pour sauver. Mais la réalité, nous sommes des êtres pécheurs privés de la gloire de Dieu. Il n'y a rien de spécial en toi. Tu es très, très, très ordinaire. Et la vie chrétienne est extraordinaire. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est Dieu qui met un extra Jésus dans ta vie ordinaire. Et Isaïe nous enseigne, il dit, voici Jésus est ordinaire à la croix. Et on continue. 53, 4 à 6. Troisième chose qu'on voit de la croix. En fait, voici l'interprétation. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau. Frappé par Dieu et affligé, or il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des petits bétails. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Ici, voici la vérité. Jésus a pris ta place à la croix. En fait, alors qu'il était très ordinaire et qu'on contemple l'œuvre de Jésus, c'est facile de ne pas s'identifier. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que tu devrais t'identifier parce que Jésus a souffert. Pourquoi? À cause de tes péchés, de tes fautes, de tes transgressions. Il n'y a aucun spectateur dans ce lieu ce soir. Il y a une logique implacable. Et je sais qu'il y a des gens, peut-être tu nous visites et tu dis, ben, c'est sûr, à chaque fois qu'on va à l'église, le pasteur ou le prêtre, c'est sa job de nous dire qu'on est pécheur pour nous condamner. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose, et souvent on pense que c'est juste comme, on répète continuellement les choses sans fondement. Il n'y a pas de logique là-dedans, c'est juste comme, on est habitué, puis les pasteurs ont une forme à dire que vous êtes pécheur, puis c'est ce qu'on fait, non. Si je déclare que tu es pécheur, je ne le sais pas à cause de ma théologie, à cause de mon expérience personnelle, confirmée par mon épouse. Si elle était là, elle était en haut avec les enfants, puis elle disait, « Est-ce que ton mari est pécheur? » Elle dirait, « Amen! » Ah, c'est comme cet homme, à un moment donné, qui va rencontrer un ami qu'il n'a pas vu depuis des années, puis il lui dit, « Hey, comment ça va? Ça va bien? » Il dit, « Qu'est-ce que tu deviens? » Il dit, « Je suis des cours de logique. » « Quoi? » Je suis des cours de logique. J'apprends la logique. OK? Regarde, je vais te faire une démonstration. Est-ce que dans ta maison, tu as un aquarium? Oui. Ah ah! Ça veut dire que tu aimes l'eau? Oui. Ça veut dire que tu aimes les poissons? Oui. Ça veut dire que tu aimes les différentes couleurs? Oui.
ça veut dire que tu aimes la diversité. Oui, ça, ça veut dire que tu n'es pas raciste. Wow! Fait que l'homme, il est impressionné, fait qu'il s'en va. Et ça, ça donne qu'il rencontre un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Là, il dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il dit, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, je pense que je vais commencer à prendre des cours de logique bientôt. L'autre dit, à quoi ça sert? Je vais te le montrer. OK, est-ce que tu as un aquarium à la maison? L'autre, il dit, non, espèce de raciste. Et souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de logique lorsqu'on entend ou on lit qu'on est pécheur. Mais la réalité, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs et la conséquence de ton péché, c'est que tu es coupable devant Dieu et le jugement de Dieu vient sur ta vie. Et là, c'est drôle parce qu'encore une fois, moi, je me mets à la place de ceux qui nous visitent, de ceux qui commencent à analyser le christianisme parce que j'étais à ta place à un moment donné puis il y a des choses, je sais, j'anticipe les obstacles que tu peux susciter. Ça va dire, ben voyons donc, un Dieu d'amour, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut juger? OK, personne n'est parfait, je suis pécheur, mais comment Dieu d'amour peut me juger? Et c'est drôle parce qu'on va avoir un sentiment de justice plus élevé que le Dieu très saint. Avez-vous remarqué qu'on est en désaccord sur le fait que Dieu devrait nous juger, mais nous, par exemple, on évite à dire que ce n'est pas juste. Hein, les enfants, c'est la phrase préférée des enfants, « Mais ce n'est pas juste! » Ben oui, nous vivons dans un monde cruel, c'est comme ça. Lorsque j'étais étudiant, je faisais du bénévolat dans une résidence de personnes âgées. Et à un moment donné, on jouait aux poches. Il y avait des personnes âgées, puis il y avait toutes sortes de gens, il y avait des gens à mobilité réduite. Puis à un moment donné, il y a une dame qui arrive, puis la dame est pratiquement aveugle. Donc, il y a la ligne, mais elle ne voit pas la ligne. Puis elle ne voit pas où sont les trous, les jeux de poche. Donc, moi, je décide de la faire avancer. Puis le jeu est là, puis je dis, OK, madame, vous pouvez lancer. Les personnes âgées se sont révoltées. C'est pas juste. C'est pas juste. Si elle ne respecte pas les règles, qu'elle ne joue pas. Puis nous sommes comme ça rapidement, on a l'impression qu'il nous arrive des choses qu'on ne mérite pas, c'est pas juste. Mais la réalité, c'est que ce qui n'est pas juste, c'est ton cœur devant Dieu. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Jésus a pris ta place, et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que la condamnation qui est sur ta vie a été transférée sur Jésus à la croix. Jésus a pris ta condamnation. Jésus a porté ton péché. Ça, c'est la première étape. Pour que tu comprennes, plusieurs années, je travaillais dans un foyer de personnes... Je travaillais dans un centre pour itinérants. Une mission bon accueil. Et je me souviendrai toujours, il y avait toutes sortes de gars là-dedans. Et une nuit, je devais aller réveiller un gars, en fait, au petit matin, quelqu'un qui avait un rendez-vous. Et c'était le roi des itinérants. OK? Toi, dans ta tête, tu penses itinérant, lui, il a amené ça à un autre niveau. Dans le dortoir, là, on ne pouvait pas le mettre dans le dortoir parce qu'il en pestait trop. Et là, moi, à un moment donné, je dois aller le réveiller. Mais comment tu réveilles quelqu'un qui ronfle, qui en fait, je dis OK, on se réveille. Il ne se réveille pas. Allô, on se réveille. Il ne se réveille pas. Hein? Et là, je me dis, il faut que j'aille le brasser, il faut que j'y touche. Et là, j'essaie de le réveiller. Et là, l'odeur, je m'en rappelle, ça fait 25 ans, je m'en rappelle. Le cœur me lève juste de le raconter. L'homme, il est là, puis il est devant moi. Puis là, je le voyais, puis il est mouillé de partout. Ça coule, ça bouge, c'est comme... Et c'est comme si je disais, OK, on va faire quelque chose, on va échanger nos vêtements. Et là, il se déshabille. Là, je prends ses vêtements. Je mets sa camisole toute humide, qui sent le swing. Je prends ses petites culottes. Je mets ses bas tout mouillés. Et ça bouge. Et je mets ses vêtements. Vous imaginez la proximité? Puis là, on est comme... Jésus, en portant ton péché, fait tellement pire. Il a revêtu ta crasse, ta dégueulacité, ton impureté, tout ce qu'il y a de plus méchant, impur en toi. Jésus l'a porté à la croix. Et non seulement, et la bonne nouvelle, c'est pas ça, elle va plus loin. Non seulement Jésus, c'est-à-dire ta condamnation, ton péché a été transféré sur Jésus, mais lorsque tu mets ta foi en lui, sa pureté, sa sainteté est transférée sur toi. Il y a un échange, puis il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Merci Jésus de prendre mes péchés, mais c'est pas tout, tu dois prendre sa pureté. Jésus ne veut pas seulement prendre ta mort, tu dois prendre sa vie. » Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça?
Ça va ensemble. Il y a des gens, tu n'es pas entré dans cette nouvelle vie. Tu n'es pas entré dans cette vie qu'il a pour toi. Plusieurs d'entre vous ici à l'église, vous savez que ma sœur, il y a plusieurs années, il y a 5 ans, elle a eu une leucémie. Et son système était complètement à terre. Et la seule manière de la sauver, c'était de lui donner une greffe. Une greffe de moelle osseuse. Et vous savez, il y a une banque, on cherche partout à travers le monde. Et ça s'est avéré que moi, j'étais compatible avec ma sœur. Moi, je suis en pleine santé. Ma sœur a le cancer. Il n'y a rien à faire. Et il se dit, bon, mais là, ce qu'il faut, il est compatible. Puis il faut faire une greffe, un transfert. Et là, pendant une fin de semaine, je devais me piquer pour stimuler mon système. Et là, je suis arrivé la journée. Et là, on m'a piqué. Puis là, on a pris toute ma moelle. Ça a passé, tout ça, et on a pris ça, puis on l'a, ma soeur, son système immunitaire est à zéro. Et on lui a injecté ma moelle osseuse. Maintenant, vous savez qu'il y a comme des chiffres pour savoir si ta moelle osseuse est de qualité, le niveau. Et quand les infirmières ont vu les chiffres de ma moelle osseuse, ils ont fait « Wow, OK, ça c'est toute une sorte de moelle osseuse. » Et on peut penser, on se dit « C'est le fun, la vie! » Tu sais, c'est comme on va faire la piqûre à ma soeur, on va lui transférer, là, tout à coup, elle va revenir à la vie, puis c'est pas de même que ça marche. C'est un reboot de son système. Et j'ai donné une méchante claque. Parce que le système était tellement zéro que lorsque tu arrives avec un système qui est pur, qui est en santé, c'est comme boum! Mais maintenant, il est en vie. Et lorsque tu viens à Jésus, la croix de Jésus, c'est non seulement il porte ton péché, mais Dieu t'impute sa justice, il te donne sa puissance, il te donne qui il est. Et il y a des gens, tu as besoin de comprendre que la bonne nouvelle du Vendredi Saint, ce n'est pas juste que tes péchés sont pardonnés, c'est qu'une nouvelle vie est accessible en Jésus. Amen. Peu importe qui tu es, ce soir, Jésus peut pardonner tous tes péchés. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Amen. Jésus peut te permettre de faire la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Est-ce que des gens, tu étais séparé de Dieu, tu étais fâché contre Dieu, tu étais loin de Dieu, tu peux dire aujourd'hui, grâce à Jésus, je suis connecté à Dieu, je suis réconcilié. Jésus peut guérir ta vie brisée. Est-ce qu'il y a des gens, puis on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ma vie était brisée, puis c'est pas juste parce que qu'on l'a lu quelque part, c'est mon histoire, c'est mon témoignage, j'ai été brisé par Jésus, j'ai été restauré. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça ici? Jésus peut donner un sens à ta vie. On était comme des brebis, comme un... Vendredi Saint, c'est Jésus qui donne un sens à ta vie. C'est ça la croix. Et la croix, c'est encore 7 à 9, toujours Ésaïe 53. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? À cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui des riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Vendredi Saint, on commémore la croix, on commémore que Jésus a réussi à la croix. Je peux entendre amen à ça? Jésus était ordinaire à la croix, mais pour accomplir une œuvre extraordinaire. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Il a pris ta place à la croix. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Mais également, Jésus est en contrôle à la croix. Et tu vas voir, ça va devenir très concret dans ta vie. Jésus est en contrôle de sa vie. Jésus est la seule personne qui a marché sur cette terre qui n'a jamais péché. C'est pour ça que tu as espoir, que tu peux surmonter le péché dans ta vie grâce à Jésus. Jésus a le contrôle. Jésus a eu le contrôle sur son sacrifice. Pourquoi est-ce que la Bible dit que les sacrifices de moutons, dans la religion, dans l'Ancien Testament, qu'on sacrifiait pour pardonner les péchés, pourquoi ça ne peut pas pardonner ton péché? Je vais te dire pourquoi. Parce que ça prend un sacrifice intentionnel parce que nous avons péché intentionnellement. Je vais répéter parce que je sais qu'il commence à être tard, il y a du monde qui veut « Oh! » Quand tu amènes un mouton, le mouton, là, il ne sait pas qu'il va mourir. Moi, j'écoute la télévision, on a un chef à la cabane, puis tu vois les cochons qui vont devenir du bacon, ils ne le savent pas. Les cochons sont idiots, ils ne savent pas qu'ils vont mourir, qu'ils vont finir en bacon. À côté des patates et des œufs un samedi matin. Les animaux sont comme involontaires. C'est une image. Maintenant, il y a des gens ici, tu dis, mais moi, là, ma vie, je pêche accidentellement. Ce n'est pas de ma faute. En plus d'être pêcheur, tu es menteur.
Quelquefois, oui, nous péchons accidentellement, mais généralement, moi, dans ma vie, je pêche intentionnellement. C'est plus fort que moi. On prend plaisir dans le péché. Et ça prenait un sacrifice volontaire pour des pécheurs volontaires. Et Jésus a été volontaire. Jésus, moi, j'avais l'image que Jésus, à un moment donné, s'est fait arrêter. Puis je disais, ah, ça y est, il a perdu le contrôle. Non, Jésus a contrôlé sa vie, il a contrôlé son arrestation. Alors qu'on l'a mis sur la croix, c'est lui qui a décidé quand il était pour mourir. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Non seulement il contrôle sa mort, il sait qu'il va ressusciter, il contrôle même sa mise au tombeau parce que Isaïe d'avance va dire, on a mis son sépulcre avec les riches, avec un homme riche. 700 ans d'avance, c'était très, très précis. Jésus demeure en contrôle dans sa mort, dans sa vie, au tombeau. Il dit, OK, pasteur Guétan, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça veut dire que si Jésus est au contrôle de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, est-ce que ça veut dire qu'il est au contrôle de ma vie présentement? Jésus est au contrôle de ta famille, contrôle ton travail, contrôle ton couple. Jésus est au contrôle! Jésus n'est pas une victime comme on le pense. Il est une victime volontaire. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Jésus a été immolé. Essaie de comprendre. Essaie de comprendre combien cet acte est intentionnel, volontaire. C'est comme si, vous savez, les chrétiens, nous croyons à la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu existant éternellement, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, OK, qui sont dans une parfaite unité relationnelle. Les trois sont égales en puissance et en gloire. Alléluia. OK, ça c'est fait. Maintenant, le Père et le Fils, imaginez leur discussion. Le Père dit, Fils, tu vois cette humanité, ils vont se révolter contre moi. Ils vont choisir le péché plus que moi. Ils vont choisir la mort plutôt que la vie. Ils vont rejeter tout ce que je leur ai offert en les créant. Et par la cause de leur péché, dans ma justice, dans ma compassion, dans mon amour, dans ma miséricorde, je ne peux pas passer outre, je ne peux pas cesser d'être Dieu. Je dois punir le péché. Je dois déverser ma colère sur cette humanité qui m'a rejeté. Et avec tristesse, mais en même temps avec un feu à l'intérieur de moi, je dois exercer le jugement sur cette humanité rebelle, condamnée à l'enfer éternel. Et Jésus de dire, Père, je vais y aller à leur place. Je vais souffrir à leur place. Je vais porter leur péché à leur place. Je vais être écrasé à leur place. Je vais vivre l'enfer à leur place. Et le Père de dire, ou mes fils, je ne les aurais pas ménagés, je ne peux pas te ménager. Je ne peux pas atténuer mon jugement parce que tu es mon fils. Tu dois accomplir la justice. Et Jésus dit, vas-y, il faut que tout soit accompli, je vais le faire, et je vais le faire par amour. Je vais le faire volontairement parce qu'ils sont précieux, puis je vais mourir pour eux, puis je vais les racheter, puis je vais les enlever de la main du diable, et je vais gagner un peuple qui va te louer pour l'éternité. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi la dernière chose qu'Isaïe va nous dire, c'est que Jésus est victorieux à la croix. Isaïe 53, 10 à 12. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Alléluia, Pâques vient bientôt. Déjà 700 ans d'avance, on annonce que le Messie va mourir. C'est très précis, mais on annonce qu'il va prolonger ses jours, qu'il va ressusciter. C'est là, tout est là. Donc, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, il y en a un seul qui est juste, c'est Jésus, apportera la justice à la multitude. Dis à quelqu'un à côté de toi, je pense que tu peux faire partie de la multitude. Il se chargera de leurs fautes. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que Jésus peut se charger de ta faute. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude, il partagera le butin. C'est le langage ici du conquérant, du guerrier, du victorieux, avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs. Alors qu'il a porté le péché d'une multitude,
et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. Jésus est victorieux à la croix. Et c'est pourquoi qu'on n'est pas dans le jeûne, dans les pleurs aujourd'hui, qu'on n'est pas dans la tristesse, alors qu'on commémore la croix de Jésus pour nous. Oui, la croix, elle est souffrance, la croix, elle est dégueulasse, elle est repoussante, elle est justice de Dieu, la colère de Dieu, mais la croix est ultimement la victoire de Jésus. Jésus est victorieux. Il veut partager sa victoire avec toi. Et là, je vais être très concret. Ici, dans le texte, on voit que Jésus est celui, comme je l'ai mentionné, c'est un guerrier. Et Jésus, par la croix, a vaincu 3 ennemis. Et peut-être ici pour la première fois, et ces ennemis peuvent être vaincus dans ta vie ce soir par la foi que tu manges Jésus. Et je veux m'adresser à des chrétiens d'expérience. Est-ce que ça se pourrait que présentement, ce soir, tu ne sois pas dans la victoire que Jésus t'a acquise à la croix? 3 ennemis que Jésus veut vaincre dans ta vie ce soir. Première chose, Jésus a vaincu le péché. Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner le péché, non seulement venu pour expier le péché, il est venu pour te délivrer du péché. Dans cette vie, alors que tu luttes avec le péché, en Jésus, la puissance du péché est délivrée, tu as l'espérance, elle est brisée, tu as l'espérance qu'un jour tu seras délivré non seulement de la puissance, mais de la présence du péché. La Bible nous dit que Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. C'est pourquoi il peut compatir. Est-ce que les gens t'ont tenté ici? OK, soyons honnêtes. Qui ici lutte avec le péché? OK. Tout le monde, on lutte avec un péché. Avec le péché, avec des péchés, avec le péché. Peu importe. Nos cœurs, notre cœur est tortueux, notre cœur, nous sommes corrompus. On ne fait pas ce qu'on devrait faire, on ne dit pas ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait dire, on ne pense pas ce qu'on devrait penser. On fait le mal qu'on ne veut pas faire, puis on ne fait pas le bien qu'on devrait faire. Ça, c'est l'expérience de tout le monde ici. Maintenant, quand tu mets ta foi en Jésus, sans Jésus, tu es incapable de ne pas pécher. Sans Jésus, tout le monde ici, tu es incapable de ne pas pécher. Jésus te donne la capacité de ne pas pécher. Je le répète, Jésus te donne la capacité de ne pas pécher. Ça prend une vie à l'apprendre. Puis même au bout, on ne sera pas arrivé. Mais il y a une victoire qui est là déjà. Vous savez, dernièrement, j'ai eu un problème avec ma voiture. Ma voiture tirait vers la droite. Et j'essayais de la ramener. J'avais un problème d'alignement. Il y avait quelque chose de brisé. Et là, J'essaie de garder ma voiture droite, mais... Et dès que je lâche le volant, ça retourne. Il y a des gens, t'es comme ça, là. T'essayes de changer, puis tu mets tes efforts. Puis là, à un moment donné, là, ça fait tellement longtemps que t'essayes, à un moment donné, tu t'écœures, tu lâches ça, puis tu retournes comme t'étais avant. Est-ce que des gens, t'as déjà vécu ça? Là, j'ai amené ma voiture au garage, et on l'a alignée. Maintenant, tout à coup, c'est tellement plus facile, j'ai pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Quand tu mets ta foi en Jésus, il y a un alignement spirituel dans ta vie. Il te replace. Et tout à coup, tu as une puissance à l'intérieur de toi. Et c'est pourquoi il y a des gens qui, en Jésus, sont délivrés, sont libérés de choses que rien ni personne ne pouvait les délivrer. Parce que maintenant, ils ont accès à une puissance supérieure, qui est l'Esprit de Jésus en eux. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Donc, tout le monde ici, avec tout, je ne sais pas avec ça avec quoi tu luttes, mais Jésus a une victoire pour toi. Deuxième ennemi que Jésus a vaincu à la croix, Jésus a anéanti la mort. Vous savez, la mort est un ennemi. J'ai souvent dit, les salons funéraires ne feront jamais faillite. Il y aura toujours des morts, toujours. Et une des plus grandes peurs, c'est la peur de la mort. Et Jésus... La Bible nous dit que la mort ne pouvait le garder parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Jésus n'a pas péché, la mort ne pouvait pas le garder. C'est pourquoi Pâques vient bientôt. Il est ressuscité. Mais non seulement Jésus a vaincu la mort, la Bible nous dit qu'il a dépouillé, l'a rendu, l'a anéanti la mort et la peur de la mort. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Et si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de grand-chose dans la vie. Déjà, vous savez que, je parlais du cancer, le cancer a frappé notre famille.
Ma sœur a eu de la leucémie, ma mère est morte du cancer, mon père a un cancer très sévère présentement. Puis des gens qui m'ont dit, c'est parce qu'il y a des liens ancestraux, puis il faut que tu brises les liens ancestraux, parce que toi aussi, il faut que tu aies peur, parce que tu pourrais avoir le cancer. Et moi, là, je sais que Jésus est plus fort que la mort. Moi, je sais qu'un jour, il y a des gens autour de moi, puis un jour, je vais mourir, nous allons tous mourir. Et la Bible me dit qu'il viendra un temps où l'incorruptible va revêtir le corruptible, où l'immortel va revêtir l'immortel. Et c'est alors que nous dirons, « Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? » La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. Et là, oui. Et peu importe ce que tu vis. Et l'expression que je déteste le plus, et je sais que les gens, vous n'êtes pas conscients, puis c'est correct, là, mais quand on dit « il a perdu son combat contre le cancer », premièrement, ou contre telle maladie, premièrement, ce n'est pas ton combat. Puis deuxièmement, c'est juste un round final. Last man standing, c'est Jésus. C'est lui qui est là, c'est lui l'ultime vainqueur. Et peu importe ce qu'on peut vivre, on peut être malade, on peut vieillir, on peut être déprimé, découragé, il peut arriver plein de choses, mais au bout de l'histoire, nous sommes victorieux en Jésus. Nous avons l'assurance de la vie éternelle qui est déjà dans nous par son Saint-Esprit. Jésus a vaincu le péché, il a anéanti la mort. Les gens qui disent, oui, mais pasteur, ça ne marche pas parce qu'il y a plein de gens qui meurent. Oui, mais ça, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Et Jésus, troisième chose, il a déjoué, il n'a pas déjoué, il a dépouillé Satan. La Bible dit qu'à la croix, il l'a livré en spectacle, il l'a dépouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, par la croix, a enlevé les armes de Satan. C'est comme si, vous savez, il y a des gens qui vont faire des hold-up dans des banques avec des fusils en plastique. On a tous vu ça, des pistolets en plastique. Hold up, hold up! Ah! En fait, c'est un mythe. C'est, on a peur, on pense. Et Satan fait la même chose. Souvent, les gens disent, oui, mais Satan est puissant. Oui, mais Satan, sa puissance, c'est une puissance de plastique. Jésus l'a dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Et quelles sont les armes de Satan? Le mensonge, la peur, le découragement, la condamnation, la culpabilité. Si tu connais ton identité en Jésus, ces choses-là sont brisées. Et lorsque Satan vient avec ses mensonges, vient avec sa condamnation, avec ses peurs, tu sais que c'est un épouvantail, tu sais que c'est du plastique, tu sais que c'est pas vrai parce que Jésus l'a dépouillé, a enlevé son pouvoir et celui qui est tout-puissant, c'est pas Satan, c'est Jésus-Christ. Je termine avec ceci. Jésus est victorieux, mais ce qui rend Jésus exceptionnel, c'est qu'il veut partager sa victoire avec toi. OK, les amis, je suis sûr là, que quelqu'un, c'est quoi les points, là? C'est quoi les points? Les gens qui disent, je ne sais pas, je suis dans la présence de Dieu. Ne soyez pas gênés, c'est quoi les points présentement? 3-2 New York, OK. Troisième période, deuxième période? Deuxième. OK. Non, non. Il y a un lien spirituel. OK. Ça paraît pas, mais il y a un lien spirituel. Canadien perd 3-2. OK. C'est plate, là, mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Et si Canadien, c'était 5-0 Canadien, est-ce que tout à coup, tu as plus de bonheur? Est-ce que ton couple va mieux? Est-ce que tout à coup, tu as plus de santé? Est-ce que tu as plus d'argent dans ton compte de banque? Est-ce que tu es dans la vie, tout à coup, tu vas mordre dans la vie? Est-ce que tu as un nouveau sens? Non. Voici pourquoi. Soit on fait des parallèles entre les équipes sportives et Jésus, mais il y a une limite. Voici la différence entre le Canadien, une équipe sportive, et Jésus. Le Canadien peut être vainqueur, mais le Canadien ne te rendra jamais vainqueur. Jésus est vainqueur, mais la Bible nous dit dans toutes ces choses, il nous rend plus que vainqueurs.
Le Canadien peut gagner la Coupe Stanley. Je ne veux pas te faire de peine, mais ton nom ne sera pas inscrit sur la Coupe Stanley. On ne va pas te permettre de monter dans le char lors du défilé sur la rue Sainte-Catherine. Lorsque certains joueurs vont aller soit à Ottawa, à la Maison-Blanche, tu ne vas pas être invité. Même si tu as ton chandail du Canadien. Oui, mais moi. Le Canadien est vainqueur, mais ne rend pas vainqueur. Et c'est pourquoi qu'on est ici ce soir, on n'est pas devant nos télés, parce que nous connaissons quelqu'un qui est vainqueur, mais qui nous rend vainqueur. Amen.